Des planches vers l'emploi, c'est le concept réunissant 130 candidats et 20 recruteurs venus mettre en avant leurs soft skills lors d'un job dating inédit. L'événement avait lieu le jeudi 8 décembre à la salle Les Fuseaux à Saint-Dizier, organisé par l'agence Pôle emploi et Blue Project, premier organisme de formation 100% soft skills du Grand Est. On vient proposer des activités qui permettent de préparer les gens et de leur permettre de se développer leurs compétences relationnelles et émotionnelles, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Ce sont des ateliers, le matin, on est en plein dedans, qui permettent au groupe de 12 personnes, 12 candidats, dans lequel on a 2 à 3 employeurs, sous couvert de l'incognito, de l'anonymat, qui permettent de travailler sur la confiance, sur l'attitude, sur l'intention, sur la réussite collective, sur la respiration, la voix, la diction. Un ensemble d'outils qui permettent de développer l'estime, l'affirmation de soi, la confiance, et notamment la partie perception de ce qui nous entoure. Cette manifestation permet donc à la fois à des demandeurs d'emploi et des employeurs de se retrouver dans un contexte innovant, cassant les codes habituels, et de répondre également à la volonté exprimée par le président de la République d'arriver au plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Cette action, elle répond bien évidemment à ce besoin de mettre en lien toujours des personnes éloignées de l'emploi par rapport aux recruteurs. Comme vous le savez, nous sommes sur un département qui est assez dynamique sur les problématiques de l'emploi, puisqu'on a un taux de chômage qui est aux alentours de 6,2%. Donc maintenant, il faut aller par ces initiatives chercher un après les autres ces personnes qui sont en recherche d'emploi pour les mettre en relation avec les chefs d'entreprise qui, malgré un contexte un peu compliqué en cette fin d'année, sont toujours dans une dynamique et dans une recherche d'emploi et de main-d'œuvre. Une fois les ateliers terminés, les employeurs ont été invités à dévoiler leurs identités aux yeux de tous. Moment de révélation suivi d'un job dating durant lequel les demandeurs d'emploi ont pu partager leurs expériences et tenter de décrocher un contrat d'embauche.